Thank you.
Amen. Lui seul, il est descendu pour prendre notre place afin que nous puissions réellement avoir la vie éternelle. Aucun prophète ne pouvait le faire, mais lui seul, il l'a fait pour nous. Ainsi, il mérite réellement l'honneur, la gloire, la puissance et aussi l'adoration. Nous vous souhaitons à tous, encore une fois, la bienvenue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons les serviteurs de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Lèvons-nous, nous allons prier tous ensemble pour redemander tous ces temps, des moments que nous passerons entre les mains du Seigneur. Et lui seul, tous encore, prend le contrôle de toutes choses comme il a fait hier. Nous savons qu'il ne change pas. Et que cet après-midi, si nous avons la même foi, la même confiance à lui, il fera encore davantage. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus.
nom de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu.
que nous chantons, c'est toi que nous glorifions, c'est toi que nous élèves, Seigneur, et c'est toi que nous voulons aussi écouter, mon Sauveur, car aujourd'hui c'est toi qui parle, mon Sauveur, parle à ton serviteur de cause. Merci pour la joie du salut, merci pour les pardons de nos péchés, merci pour la négresse, merci pour la paix que toi tu nous as donnée. Pourquoi nous chantons, pourquoi nous dansons, pourquoi nous sautons, Seigneur, parce que tu as fait pour nous des grandes choses. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, l'adoration, notre confiance, notre foi en toi seul, Seigneur, car toi seul tu le mérites, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons supplié. Amen. Amen. Nous allons lire la psaume. Nous lisons dans les psaumes chapitre 115. Psaume chapitre 115. Psaume chapitre 115. Nous lisons. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Amen. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Les idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, et ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils les ressemblent à ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel. Louange à l'agneau. Amen.
ton nom soit béni encore cet après-midi, Père. Pour l'en tenir merci, pour l'en glorifier ton saint nom, parce que toi, tu demeures le même. Oh, tu demeures le Dieu tout-puissant, et le matin de toi, c'est toi que nous aimons, notre Seigneur Jésus. Louange et honneur à toi encore aujourd'hui, Père, parce que tu n'as pas changé. Tu es toujours le même et tu es toujours présent, mon Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Viens, prends le contrôle. Viens, saisis encore nos cœurs. Viens, les libres, mon bénévole Seigneur. Viens, bénis aussi, mon bénévole Patrice. Et sauve, perdu. Et ramène-le trop tard à toi, mon bénévole Père. Nous avons chanté les chants de Sion pour l'amour de la voix de ton nom, notre Seigneur. Nous t'aimons, mon bénévole Père. Nous te désirons encore davantage. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Combien nous sommes reconnaissants de tout notre cœur à notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ pour cette grâce que nous accordons encore cet après-midi de pouvoir nous retrouver en ce lieu afin que nous puissions vraiment le louer, l'adorer et avoir communion avec lui et aussi communion les uns avec les autres. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous, tout ce qui est venu de loin comme des frères. Nous nous réjouissons de cette grâce que le Seigneur nous accorde encore aujourd'hui. Comme bien nous étions aussi rassemblés en cet endroit, nous nous souvenons des merveilles qu'il a accomplies parmi nous. Aussi la grâce de pouvoir aussi entendre aussi sa voix. Nous lui sommes reconnaissants. Aujourd'hui, c'est aussi le dernier jour de cette conférence, comme nous l'avons aussi dit, dont le thème principal est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus de Nazareth est celui que nous voulons avoir, que nous voulons posséder et que nous voulons continuellement entendre le son de sa voix et le son de son nom continuellement toute notre vie sur cette terre. Amen. Parce qu'il est tout pour nous. Amen. Il est notre Dieu, Amen. Il est notre sauveur, Amen. Il est notre amour, Amen. Il est notre tout. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit tout est pour nous. Amen. Je suis dans la joie de pouvoir ici voir et guérir mes frères qui sont ici et de Balaria et qui sont arrivés aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse richement. Je voudrais, comme nos frères ont eu aussi l'occasion hier, que chacun de pouvoir aussi saluer l'Assemblée, apporter une parole de salutation à l'Assemblée. Je voudrais donc laisser aussi la place à mes bien-aimés frères qui sont donc arrivés parmi nous. Nous aurons l'occasion de pouvoir les appeler aussi tout à l'heure. Je voudrais juste lire une portion de l'Écriture pour que nous puissions réellement aussi réaliser le but pour lequel nous sommes ici. Et c'est réellement tout un chacun de nous, comme prédicateurs, devoir davantage s'aligner sur ce thème que nous avons à pouvoir voir pour notre conférence. Je vous prie donc de vous lever pour que nous puissions lire dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1. Nous lisons donc le verset 43. À partir du verset 43. Jean, chapitre 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois.
Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faux. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Amen. Le Seigneur bénit sa parole, assise. C'est toujours merveilleux lorsque nous prenons les Saintes Écritures et que nous pouvons lire effectivement dans cette Écriture, dans la parole de Dieu, ce que Dieu lui-même a voulu que cela soit mentionné pour que ça soit pour nous un enseignement et aussi un témoignage. Et là, dans cette Écriture que nous venons de lire, nous réalisons quelque chose qui était très important pour ces hommes-là, même pour leur nation, même pour leur vie. Si Israël a eu à pouvoir avoir son existence, c'est parce que cet homme-là devait réellement venir. Si Jésus-Christ de Nazareth n'avait pas eu à pouvoir avoir son existence, ni Israël ne pouvait même pas avoir aussi son existence. Quelle serait donc son importance? Mais comme il était écrit donc dans les Saintes Écritures, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit dans le livre de la Genèse, cela il dit, et la semence de la femme écrasera donc la tête du serpent, et je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Ça veut dire que la femme allait donc avoir aussi une semence. Et cela, comprenons réellement ce que le Seigneur voulait réellement faire voir. Il était donc son plan et son programme depuis donc la chute dans le jardin d'Éden. Et l'amour de Dieu s'est manifesté. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, est vraiment l'amour de Dieu exprimé. Amen. Il est tout ce que Dieu a voulu donner aux hommes. C'est pourquoi il est et il doit être le thème principal dans toute notre vie. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère Jean. Dans nos prédications, nos enseignements, Jésus-Christ est notre doctrine. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre doctrine. Nous baptisons en son nom. Amen. Les malades sont guéris en son nom. Amen. Les démons sont chassés en son nom. Amen. Les morts ressuscitent en son nom. Amen. Nous serons enlevés en Amen. Son nom. Avant même que le monde soit, nous étions en lui. Amen. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le commencement et la fin. Nous devons, comme cet homme-ci a dit, Philippe dit, mais nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète ont parlé. Donc, depuis la Genèse, prenez ici, effectivement, Genèse, tout au long des Saintes Écritures, il n'y a eu qu'un seul homme pour lesquels ces écritures ont une importance. Si Jésus-Christ n'était pas là, cette Bible ne serait pas là. Vous savez que la parole de Dieu est une semence. C'est vrai. Amen. Mais une semence sans le germe de vie, ça ne vaut rien. Un homme germera en son lieu, n'est-ce pas? Jésus-Christ est cette germe de vie. Amen. À l'écriture et l'esprit de Dieu. Il est donc le plus important de tous. Vous savez, je vais être court parce que je voudrais laisser la place aussi à mes frères. Et surtout aujourd'hui, nous laisserons la place à notre frère T et notre frère Richard pour nous apporter la parole. Et bien sûr, nous puissions aussi nous réjouir dans la présence du Seigneur, ainsi notre frère Sylvain. Vous vous souvenez, hier, nous avons lu avec vous, lorsque ce messager, Jean le Baptiste,
cet homme dont le Seigneur a rendu témoignage dit, de tous les hommes qui sont venus sur la terre, il n'y a pas eu de plus grand que Jean. N'est-ce pas vrai? Et quel est le témoignage que ces gens, Jean le Baptiste, a rendu de cet homme des guerriers, c'est Jésus de Nazareth. Il dit une chose dans Jean 3 toujours, il avait bien. Dans le chapitre 3, il dit ici, je crois que c'est verset 30. Pour que beaucoup puissent avoir aussi une vue d'ensemble, nous lisons en partie du verset 27. Il dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui s'était là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la foi de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Verset 30, il dit, il faut qu'il le croisse. Et que moi j'ai diminué. J'ai beaucoup aimé ça. Je crois que, on devait peut-être la voir comme un petit pancarte chez les prédicateurs dit, il faut que Jésus-Christ se croise. Amen. Et que nous diminuions. Et puis il dit une chose merveilleuse. Regardez ça. Le verset suivant, il dit, c'est lui qui vient d'en haut. Et celui-là est au-dessus de tous. C'est lui qui vient d'en haut. Il est au-dessus de tous. C'est ce Jésus-là que nous voulons réellement avoir comme cet homme allait pouvoir dire, nous avons trouvé de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète ont parlé, Jésus de Nazareth. Quel est celui que vous avez trouvé? Qui avez-vous trouvé et avec qui vous marchez aujourd'hui? Lui, il a trouvé Jésus de Nazareth. Je n'ai pas trouvé Moïse, ni lui. Non. Et nous avons trouvé. Et qui Moïse a écrit dans la loi. Parce que il est écrit, il est, dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pas vrai? C'est celui-là, mon frère et ma soeur, que toi et moi, nous devons réellement trouver et posséder. Vous avez remarqué que dans les Saintes Écritures, il est écrit qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs. Parce que le véritable apôtre, c'est lui. Le vrai prophète, c'est lui. Le vrai pasteur, c'est lui. Il a dit, je suis le et mes brebis en train de manger, je ne vois pas la part d'étranger. Donc, il est notre absolu. Amen. Oh, Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Si Jésus-Christ, notre Seigneur, est notre absolu, amen. Alors cette Bible ici aussi notre absolu. Amen. Tout ce qui est contraire à ce Seigneur n'a pas le droit d'existence pour nous. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Donc ceci est Dieu sous la forme écrite. Notre absolu. Amen. Voilà, lorsque nous disons notre absolu, Jésus-Christ, parce qu'il est la plénitude de la divinité. Amen. Donc ceci est toute la parole. Dieu lui-même sous la forme écrite. Voilà pourquoi nous aimons le Saint-Écrit. Amen. Parce que c'est lui qui a trouvé Christ le Seigneur, il n'a pas trouvé autre part que là. Comment pourront-ils en ce moment pas entendu parler? Comment entendront-ils parler si la personne qui prêche? Ils font bien que le prédicateur, mais qui prêche la parole de Dieu. Puisse le Seigneur, notre Dieu, vous bénir tous. Alors nous avons cet après-midi la joie de recevoir nos précieux et bien-aimés frères qui sont venus de loin. La France. Notre bien-aimé frère, le pasteur Jean-Marie Diva de l'Assemblée de France, effectivement, que Dieu te bénisse. Viens, mon bien-aimé frère. Viens
Viens pour que tu puisses aussi saluer l'Assemblée et que tu adresses un mot de salutation à l'Assemblée. Que Dieu te bénisse richement. Je suis dans la joie de pouvoir te voir ici. Sois le bienvenu. Je crois que nous avons aussi nos frères et sœurs de Paris qui sont aussi venus avec toi. Que Dieu vous bénisse. Prends le temps de pouvoir dire un mot. Que Saint mes frères et sœurs. Amen. Je salue particulièrement les ministres. J'ai donc la joie aujourd'hui d'être parmi vous et de voir ces gens que je connais par le moyen du net. Je comprends pourquoi le Seigneur a inscrit dans mon cœur que je viens de là. Nous pourrons donc faire plus ample connaissance plus tard. Les paroles d'un homme ne valent rien. Mais la parole de Dieu que nous allons entendre est tout pour nous. Amen. C'est moi, je préfère lire une écriture, parler brièvement et laisser le temps au ministre pour nous parler. Nous sommes venus nous-mêmes nous nourrir aussi. Vous savez, quand on est pasteur d'une église et qu'on est tout en train de travailler, parfois on a aussi soif de s'asseoir et être nourri par nous. Et cela sera pour moi aujourd'hui. Mais lisons dans Jean 15. Nous allons lire du verset 10 au verset 17. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit des choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Père éternel, ta parole est une mine profonde. Durant les siècles, les serviteurs l'ont creusée et elle est toujours d'actualité. Nous te prions, Père, de nous donner une brève parole pour nous fortifier, alors que le programme est long devant nous, et de bénir ta parole dans nos âmes, l'arroser par ton esprit, afin que ce que tu as commandé s'accomplisse en nous. Bénis donc l'auditoire, sois-moi miséricordieux, alors que je vais parler pendant ces quelques minutes. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour vous asseoir, frères et sœurs, je ne veux pas parler longuement. J'ai une occasion où nous avons eu contact après ces longues années. Je me rappelle que la première fois que j'ai prêché la salle de mon bien-aimé Père, c'était en juin 1999. Je peux vous rendre compte que beaucoup de temps est passé. Mais quand j'ai reçu la lettre d'invitation pour cette convention, j'ai prié pour cela et j'ai été convaincu par le Seigneur de pouvoir bénir. Je ne vais pas raconter tous les détails. Des anges qui m'ont convaincu, je me voyais chez moi dans la maison de mon père au pays. Il dit tiens, c'est ça. Puis, quand vous savez que je suis un salarié, et quand mon planning du travail est sorti, ce week-end, je devais travailler. Et curieusement, on m'a libéré, je ne pouvais pas travailler. Donc, j'ai compris que c'était pour que je vienne ici. C'est pourquoi je suis là. Je vais parler de Jésus-Christ
de Nazareth, notre ami. Amen. C'est un très bon thème, comme thème me dit une convention. C'est un thème qui peut mettre tout le monde d'accord, parce que personne ne peut être contre Jésus. Il n'y a personne qui se dise chrétien qui soit contre Jésus. Et si nous comptons d'accord, il n'y a donc pas de doctrine spécifique. Mais en ajoutant ce que mon frère a dit, je vais seulement dire ceci. Quand vous avez finalement trouvé le Seigneur Jésus-Christ, comme les apôtres l'ont trouvé, est-ce qu'à un moment donné, s'est-il déclaré votre ami personnel? Souvenez-vous qu'il est quasiment à la fin de son ministère, il va bien ressortir de la scène, quand il parle à ses disciples. Et il dit, je vous appelle plus serviteur. Ils ont marché avec lui 3 ans et demi. Juste là, ils avaient été ses serviteurs, ses disciples. Lui-même avait été pour eux le Seigneur, le pourvoyeur, le maître. Mais là, il dit, je ne suis ni le maître, ni le pourvoyeur, ni le Seigneur, mais je vous dis que je suis votre ami. Amen. Amen. Il s'est déclaré leur ami personnel. Ma soeur, mon frère, nous nous parlons tous pour le retour du Seigneur. Est-ce que dans ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ, tu es devenu son ami personnel? La question est celle-là. Les amis aiment les mêmes choses. Les amis s'influencent. Les amis ont souvent tendance à s'imiter. Amen. Si les amis aiment la même chose, vérifiez un peu pendant une minute, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ aimait par-dessus tout? Et voilà ce qu'on vit, nous aimons la même chose que lui. Amen. Une des choses qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est qu'il a dit, vous savez, c'est content qu'elle parle à la femme de lui, et dit, si vous le faites un peu, le Seigneur mange, moi je dis non. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Voilà ce qui lui tenait à cœur. Accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Maintenant, si nous sommes ses amis, est-ce que notre préoccupation première est d'accomplir la volonté du Père? Est-ce que le Père a la primauté, la prééminence dans nos priorités personnelles dans notre vie? Parce qu'il s'agit ici d'être prêt pour le départ. Amen. Amen, amen. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ que tu as trouvé t'a-t-il révélé tous les secrets du Père? S'est-il révélé à toi? S'est-il dévoilé à toi personnellement, entièrement? S'il est ton bon berger, s'il te parle à demi-mot, est-ce que tu saisis sa pensée? C'est bien, nous pouvons nous réjouir, mais nous devons d'abord vérifier si nous marchons réellement avec lui, ça vient d'être dit. Amen. Amen. Je vous rappelle 2 exemples. Nous avons le cas de David et Jonathan, qui étaient bons amis. L'amitié sincère, biblique, réelle, demeure et transcende même le temps. Alors que Jonathan n'était plus vivant, David a continué à lui manifester sa fidélité à cause de leur amitié. N'est-ce pas? Étant devenu roi, puissant, et lui, comment? Y a-t-il personne de la maison de Jonathan, plutôt de Saoul, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Amen. 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 Il n'a pas dit, mais mon ami Jonathan, oui, je devais déchirer, tu étais devant le Seigneur, mais il est mort. S'il est mort, alors y a-t-il personne de sa maison pour que je lui fasse du bien? Amen. Amen. Si le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas là physiquement parmi nous, il n'est pas son esprit. Si je fais une comparaison, il n'est pas là, on ne le voit pas. Mais n'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Jésus à qui je peux faire du bien à cause de Jésus? Amen. 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 Donc, son don très bien. Nous sommes sortis des religions. Il est temps de religion passer.
Nous devons être revenus à la parole et être conformes à la parole. Amen. N'est-ce pas? Deuxième cas. Amen. Le deuxième cas, c'est l'arpien. David est en fuite afin de le faire sortir de Jérusalem. Et voilà que Ushaï l'arpien vient. Comment est-ce qu'il est passé avec toi? David dit non, non, non. Toi, reste dans la ville. Tu pourras me faire sortir les informations pour que je sache ce qu'est absolument. C'était très dangereux. Absalom était en fureur contre son père. Vous savez, quand on vient de renverser un gouvernement, qu'on a pris le pouvoir, souvent on aime à liquider les opposants. Ushaï, parlons pour David, va revenir dans la ville. C'était prendre la risque pour sa propre vie. Amen. Amen. Et c'est grâce à lui que Dieu va confondre Absalom. À l'époque, il y avait un conseil d'Absalom qui donne des conseils parfaitement divins. Il a dit quand il lui parlait, c'est comme si Dieu m'avait parlé. Mais Ushaï a cassé les conseils qui auraient pu faire que Absalom puisse battre son père. Et par là, Dieu a remis la situation. Mais j'attire la ceci. Ushaï, par amour pour David, a accepté de prendre le risque de rentrer en ville alors qu'ils étaient pris en odeur de sécurité. Aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est acquis. Aujourd'hui, Jésus est bafoué. Aujourd'hui, les gens se mettent devant leur télévision pour ricaner quand un comédien vient de ridiculiser Jésus. Est-ce que tu prends position pour lui? Amen. Amen. Quand rien ne va dans l'église, elle est en position pour Jésus. Amen. Amen. Dans l'amitié, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Un, la trahison. Amen. Il n'y a rien de pire qu'un ami très. Contrôle ta vie, je vais contrôler la mienne. N'ai-je jamais trahi Jésus? N'ai-je jamais eu honte de lui? N'ai-je jamais fermé les yeux par complaisance pour les hommes? Je ne prends pas de position pour lui. La traîtrise est grave de l'amitié. L'intérêt. On peut être ami par l'intérêt. L'Écriture nous dit que le riche a beaucoup d'amis, le pauvre n'en a pas. N'est-ce pas? Est-ce que tu ne te dis pas chrétien parce que tu penses qu'il y a un intérêt à gagner? Serais-tu prêt à donner ta vie pour Jésus comme il a donné sa vie pour toi? Suis-je prêt pour ça? Nous pouvons nous réjouir de la vraie réjouissance. Que quand nous avons répondu à ces questions nous-mêmes, et que notre réponse a été positive devant le Seigneur. Amen. 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 Ouais, je ne vais pas être trop long, il y a beaucoup à dire. Mais posons-nous sérieusement ces questions. Par contre, l'Écriture dit ceci. Celui qui a le cœur pur, je vais par là, frère, pour ne pas abuser. Celui qui a le cœur pur aura le roi pour ami. Amen. 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 Ici, il ne s'agit pas, dans le temps où nous sommes aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'un roi, comme quand Salomon était là, David était là. Il s'agit ici du roi des rois qui revient. Amen. Et l'Écriture dit, si tu as le cœur pur, tu seras son ami. Amen. 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 C'est vrai, Jésus-Christ s'est déclaré notre ami. Dans cette amitié, faisons tout pour ne pas le décevoir. Faisons tout pour ne pas le décevoir. Un ami montre son amitié à son ami, parfois par la dureté, va les reprendre sévèrement pour la mettre sur le droit chemin. Un ami qui flatte tout le temps n'est pas un bon ami. Amen. Amen. Tu vois, le Seigneur nous a parlé tantôt, avec tant de tendresse,
d'accord avec une sévérité extrême, mais c'est bien pour nous. Amen. Amen. C'est très bien pour nous. Donc, acceptons de recevoir la parole de Dieu, comme elle nous est donnée. Et surtout, si nous avons trouvé Jésus, gardons-le à côté de nous. Amen. Gardons-le à côté de nous. Faisons tout pour que la relation passe. Une relation de maître à serviteur, une relation d'enseignant à disciple, à une relation d'ami à ami. Bien évidemment, on est beaucoup plus à l'aise devant son ami. Et l'ami est beaucoup plus indulgent que le maître. Mais il a posé un fondement. Sur quoi a-t-il basé cette amitié? Sur l'obéissance de ses commandements. Amen. 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 Cette amitié a un fondement. Ni les sentiments, ni quoi que ce soit d'autre, mais l'obéissance de ses commandements. Amen. Et pas parce que l'obéissance va jusqu'à la mort. Nous attire des ennemis. Mais nous devons obéir à ses commandements. Voilà la base de l'amitié, voilà la base de cet amour que nous devons porter au Seigneur et qu'il nous a porté. Il a donné ses preuves en livrant sa vie. Lui, il n'a pas de preuves à faire de son côté. La balle est entre temps, c'est nous qui avons des preuves à faire envers lui. Alors, souvenons-nous de lui, oui, c'est un très bon thème comme thème de convention. Faisons tout pour que nous partions d'ici ayant la claire vision de tenir réellement Jésus-Christ dans notre cœur. Amen. Amen. Et de nous donner un peu plus, nous abandonner un peu plus, si jusqu'ici nous ne l'avons pas fait entièrement. Et si tu aimes Jésus, j'aime Jésus, nous ne pouvons pas nous haïr. C'est pas possible. Amen. Amen. C'est un petit riche. Amen. Il y a un verset sur lequel nous allons nous arrêter, mais commençons à partir du verset 10. Je lis, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom.
par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant, « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux et le serment, en confirmant leur parole, met un terme à toute contestation. En ce sens, Dieu, voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, afin que, par deux actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là et nous demander de retenir seulement le début de ce verset 18, afin que par deux actes immuables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Donc, la chose à retenir, c'est qu'il est impossible que Dieu mente. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est sûr et certain. Il est impossible que Dieu nous mente. Oui, que Dieu soit béni. Nous sommes heureux parce qu'il a fait cette promesse. Il revient et il reviendra certainement. Que notre Dieu soit béni. Nous allons chanter un cantique que je voudrais bien que nous chantions ensemble. Et alors, je vais donc inviter notre bien-aimé frère, notre frère ici, Denis, où est-ce qu'il est, frère? Viens par ici. Nous allons chanter un cantique ensemble ici. Je pense que c'est un petit Donc, la page 7, nous sommes venus pour délouer. Nous sommes venus pour délouer. Nous sommes venus pour délouer.
La vérité que nous avons ici, c'est le Père, c'est la soirée. C'est page numéro 9. Page numéro 9.
My precious brother, please come forward, please. You can come, my precious brother. Lord, c'est le temps de notre frère qui puisse nous apporter la parole du Seigneur et que nous prions. Pour frère Yvan, nous venons bien ici. Il s'occupe ici, interpréter aussi pour notre frère. God bless you, brother. Don't worry, because God is not tight. You can take time, brother. You can take time. Yes. Lord Jesus, Seigneur Jésus,
laisse déprogrammer. Prends le contrôle de moi, Seigneur. Jesus, au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse, Père Léona. Le ministre. Le même Jésus qui marchait dans les rues de Galilée is not the God of history. N'est pas le Dieu d'histoire. Amen. He's right. Il est la présence. Amen. If what he did, si ce qu'il a fait, we don't see it here today, nous ne le voyons pas ici aujourd'hui, then he's not the same yesterday, today, or forever. Alors il n'est pas le même hier, aujourd'hui et demain. The same word, la même parole, preached under the same anointing, yes. Prêché sous la même onction. Produira les mêmes résultats. We have a name. Nous avons un nom. Qui est le nom de Jésus. And it's a name that is above everything. Et c'est un nom qui est au-dessus de tout le monde. Amen. 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 That is the redemptive name of the God in us. C'est le nom du rédempteur de nous. C'est Jesus alone. Jésus seul. A été exalté. Si. That at the mention of his name. Seulement à la mention de son nom. Every knee should bow. Que seulement à la mention de son nom, chaque genou doit fléchir. In that wonderful name, dans ce nom merveilleux, we cast out the devils. Nous chassons les démons. Amen. Amen. In the name of Jesus, au nom de Jésus. We speak in new tongues. Nous parlons de nouvelles langues. C'est dans la Bible. I take divine authority. Je prends l'autorité divine. Over any spirit behind any problem here tonight. Sur chaque esprit qui crée le problème. Because that same Jesus. Parce que ce même Jésus. He has not changed. Il n'a pas changé. Amen. Amen. In that name of Jesus. Dans ce nom de Jésus. It has creative power. Il a une puissance créatrice. Amen. 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 Missing limbs. Can be created in the name of Jesus.
Si les gens ne sont pas là, ils peuvent être créés au nom de Jésus. Amen. That same Jesus. Ce même Jésus. He's not dead. He's alive. Il n'est pas mort. Il est vivant. Amen. And he said. Et il a dit. These signs shall follow them that believe. Ces signes suivront ceux qui ont cru. Merci. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Que le Seigneur soit. Amen. Le nom de Jésus est si doux. Le Dieu des
Alors que, sur la dernière réunion, je voulais aussi que les serviteurs de Dieu prient pour l'Assemblée. Et comme tous ne peuvent pas se mettre ici pour pouvoir prier, je voudrais donc inviter au bien-aimé frère, le pasteur Albert Pini, qui vient ici pour pouvoir prier, et pendant qu'il priera aussi, nous tous, en tant que serviteurs de Dieu, nous allons prier pour vous, tous aussi, afin que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous. Mon frère, bien. So, I see that it's a question of the religion. Why don't you be preached to pray in the religion? In our servants of God, we have also to pray to God. Because yesterday, they prayed for us. And today, we have to pray for them to know that we cannot be there. So, I invite my Christian brother to pray here, and we can bring us together with him. God bless you. Could you open to your prayer? We will pray to the Seigneur. Nous allons prier. Glorifie ton nom, ce jour, ton Père, parce que tu as choisi un jour tout à fait particulier pour que tu descendes en ce lieu et forme ton peuple dans ta direction et que tu as permis Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous venons de prier. Amen. Amen.
Seigneur. Alors nous allons vous faire ceci. Pendant que la chorale va chanter, je vais demander au prédicateur de se mettre ici. Please, vous pouvez vous mettre ici. Brother, just come forward, please. You come forward. Vous vous tenez juste ici devant. Vous tous, frère, mettez-vous ici, juste là. Et Dieu vous bénisse. Yes, but please come forward. Vous vous tenez en ligne, vous tournez vers la congrégation. Est-ce que vous pouvez vous serrer les plus en plus? Oui, pour que vous soyez là, juste tous sur la même ligne, exactement. Alors, pendant que la chorale va chanter, tous les frères et sœurs qui sont ce côté-là, vous passez pour saluer chacun de vous tous, le prédicateur, que chacun puisse leur serrer la main. Vous venez comme ça et vous passez par là, vous mettez là-bas. Pendant ce temps, vous serez là-bas, le frère va arranger les tables pour que vous mangez. Et quand cette partie-ci a terminé, l'autre partie aussi vient pour saluer les frères. Donc par là, vous saluez les frères, vous allez venir effectivement pour laisser aussi la place à tous ceux qui doivent arranger les tables de manière à ce que nous puissions prendre un repas chacun. Donc, en bas de ce côté-là, ceux qui sont de ce côté-là doivent venir par ici pour un en un saluer les prédicateurs juste là-bas. Donc, pendant ce temps-là, mon frère Christian, toi tu t'occupes de la chorale, pour pouvoir courir par le chant, effectivement. Donc, descendez, donc, frère Michael, tu fais passer les gens, frère Christian, tu entends ton conduit dans le parole, effectivement. Et après cela, tu vas quitter derrière, véritablement, dans le parole.